Salut à tous les amis, c'est Kuroxo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online les amis. Et aujourd'hui, deux nouvelles voitures ont fait leur apparition sur Legendary Motorsport. Et oui, les deux Formule 1 sont arrivées en même temps. Ce qui m'a vraiment étonné, puisqu'aujourd'hui je pensais vraiment qu'il n'y aurait que la Progen PR4 de disponible à l'achat. Et que ce soit la Oslo R88 à gagner au casino. Mais pas du tout. Ils ont décidé de nous sortir les deux en même temps. Donc dans cette vidéo, on va aller customiser la Oslo R88. Puisque la PR4, je l'avais déjà. Je l'avais déjà gagnée au casino. Et puis, les deux voitures, j'avais pu les tester en fait en avant-première dans certaines activités. Avant qu'on puisse les tester sur le jeu. Qu'on puisse les avoir, tout simplement. Et donc voilà. Donc je suis vraiment content de pouvoir l'acheter directement celle-ci puisque j'avais vraiment la flemme de farmer le casino pendant des heures comme je l'ai fait avec la Progen PR4 en fait. Donc voilà. T'es content Vince? Je l'ai acheté celle-là. Je l'ai eu légalement. Je l'ai eu sans glitcher. Je l'ai eu avec mon propre argent. Argent durement gagné, n'est-ce pas Vince? Donc voilà. On va tester ça, on va la customiser à fond. Déjà, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai l'impression qu'elle tourne beaucoup moins bien que la PR4. À voir quand elle sera customisée à fond. Mais là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc, hop, les motifs. Donc, on a celui-ci. Escalera. Estancia, c'est celui que je vais mettre. Jacques Eislager, il est vraiment stylé aussi. On a plus ou moins les mêmes hein, sur les deux voitures. Le Redwood il est sur les deux. Voilà. Donc hop, on va prendre le Estancia. Donc là vous voyez rien parce que le motif est noir. Mais une fois que j'aurai mis la couleur secondaire. Ah bah non. Qu'est-ce qui change là en fait? J'ai pas bien vu les gars. Ou alors c'est la couleur principale, non? Il y a comme un bug là je crois. Ah non, c'est la couleur principale qu'il faut changer. Ah oui, j'étais en train de choisir la secondaire moi. Pas du tout, ok. Donc celle-ci, soit je mets ça en bronze, mais je vais plutôt mettre ça en couleur or. Ah bah c'était au-dessus. Ouais non, je sais pas. Faut une couleur qui ressort bien. D'accord. Peut-être du orange vif alors. Ouais, je sais pas. Couleur or. Ouais, on va mettre en couleur or pour le moment parce que j'ai pas trop le temps. Couleur secondaire, donc c'est l'aileron. Que je vais aussi mettre en couleur or. Voilà. Une fois qu'on aura changé la couleur des jantes, ça ira mieux. D'ailleurs, les jantes, je sais pas si j'aurai accès à toutes les jantes. Puisque je l'ai acheté cette voiture, je ne l'ai pas débloqué au casino. Donc je risque de pas pouvoir avoir toutes les jantes. Donc on va mettre le châssis MK2. Le pare-choc avant, on peut changer, on peut en mettre un plus gros. Il est vraiment plus beau celui-là, je trouve. Ouais, il est vraiment plus imposant. Alors dans la vraie vie, ce n'est pas vraiment une Formule 1. C'est plus une IndyCar, donc c'est un peu comme une Formule 1, hein, une IndyCar, mais les IndyCar courent exclusivement aux États-Unis et pas sur les circuits européens. Et elles courent sur les circuits de NASCAR. Donc voilà, c'est un petit peu comme une course de NASCAR, sauf que c'est avec des voitures qui ressemblent à des Formule 1. On a pas mal d'ailerons également. Hein. On en a des stylés, hein. Il y en a, ils ont des formes vraiment classe. Hein. Celui-là est pas mal, là, celui-là, regardez la forme qu'il a. Celui-là, on dirait qu'il est inversé. On dirait que l'aileron, il a l'envers. Mais celui-là, j'ai bien aimé l'aileron bisauté, là, il est pas mal, celui-là. Transmission, on va la mettre à fond. Turbo à fond. Les roues. Course. Jantes de série. Ah bah non, je les ai tous, en fait. Parce qu'au début, il y avait une rumeur qui disait que les jantes, on les aurait pas tous dès le début. Et il y en a qu'il fallait débloquer en gagnant des courses. Exactement ce qui s'est passé avec la voiture de NASCAR, la Hot Ring.
Sauf que la Outrigue, c'était les motifs qui étaient à débloquer, pas les jantes. Parce que la Outrigue n'a pas de jantes spéciales. Ok, donc je sais pas trop sur quoi on va partir. Je pense que je vais prendre ces jantes-là, je les aimais bien. Ok, couleur des jantes du coup. Bah or, hein. Ouais. On a le même genre de pneus que sur la PR4. Là, je vais mettre. Bah, sur l'autre, j'avais mis les Fukaru. Là, je pense que je vais mettre les Atomic en blanc, comme ça, c'est sympa. Ou je vais laisser les. Je vais mettre le logo Atomic comme ça. Donc, amélioration des pneus à l'épreuve des balles, oui. Fumer des pneus, non. Et sur celle-là, on peut pas choisir le. On peut pas changer le pare-brise. Contrairement à. Bah, la PR4 où on peut changer le pare-brise. J'ai l'impression que la PR4, on peut faire un petit peu plus de choses dessus. Là, je l'ai mis un petit peu comme si c'était une Lotus. Mais franchement, si vous faites des courses ultra légères, je vous conseille vraiment de prendre la PR4 et pas celle-là. Enfin, après, je dis ça parce que je suis habitué à la PR4, moi. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle tourne moins bien. Elle tourne bien, c'est sûr. Elle tourne même très très bien. Mais peut-être un peu moins bien que la PR4 quand même. Ok, donc on va la remettre au garage de fonction 1. Donc vraiment content d'avoir les deux, franchement. Je pensais vraiment qu'elle serait gagnée au casino et que j'allais perdre mon temps à essayer de la gagner. Mais non. Je l'achète directement. C'est tellement plus simple en fait. C'est trop bien. Non, franchement, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Peut-être changer la couleur plus tard parce que là je trouve que ça se voit pas très bien, mais bon, je ferai ça plus tard. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je préfère quand même la PR4, hein. Franchement. Parce que je préfère les Formule 1 que la IndyCar à la base, puis même la PR4, je trouve qu'il y a beaucoup plus de motifs. Bah, il y a des motifs plus beaux tout simplement. Je trouve que les motifs sont beaucoup plus beaux et la customisation est mieux. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo customisation vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et pourquoi pas le petit partage, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game, à la prochaine et ciao tout le monde. Peace!